Bonjour, bonjour tout le monde, ça va bien? Ça va bien? Oui, ça va bien. Welcome back to another week of French lesson. Are we excited? Oui, je suis enthousiaste. Ok, on va commencer avec bonjour. On se souvient de bonjour. Oui, on y va. Bonjour, bonjour, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Et vous? Ouais, très bien. Good job. Ok, on continue avec, comme d'habitude, on a les émotions. Ok, so let's see les émotions. Qu'est-ce que c'est? C'est content, content. And are you content? Oui. So if you are content, you can say je suis content. Content is for boys and contente for girls. Je suis contente. Je suis contente. Oui, je suis contente. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Oui, je suis fatiguée. Tchoum! Je suis malade. Malade. Je suis malade. Oh non, je suis malade. Je suis triste. Je suis triste. Je suis timide. Je suis timide. Je suis timide. Je suis timide. Je suis frustré. Je suis frustré. Très bien. Je suis fâché. Je suis fâché. Je suis enthousiaste. Je suis enthousiaste pour la classe de français, pour la mini-leçon. Je suis. Non, not je suis. For this, we're gonna say j'ai. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Oui, je veux manger. J'ai faim. J'ai soif. J'ai soif. Oui, j'ai soif. Et j'ai. J'ai peur. J'ai peur. Oui. Bravo, bravo, bravo. Les directions. Alors, let's see if you know les directions. Can you show me? Devant. Devant. Ici, devant, 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 devant. Can you show me? En haut. En haut. En haut, en haut, devant, en haut. Maintenant, montrez-moi en bas. En bas, en bas, en bas. Ici, en bas, en haut, en bas, devant. Can you show me derrière? Derrière. C'est là, derrière, il y a le signe language sprout derrière moi. Ok, maybe now it's time to learn more directions. How would you say on your right? And where is your right? My right is here. À droite. À droite. À droite, can you show me your droite? Ma droite. Ma droite. Ma gauche.
à gauche, à droite, à gauche, à droite. Bravo! Ok. Est-ce qu'on se souvient des détails? Les tailles. Let's start with this one. Grand. Grand, très grand, très grand. Grand. Moyen. Moyen. Et petit. Petit. Grand. Moyen. Petit. Tout petit. Très bien. Ok, let's do a little bit of compter. Compter avec les nombres. Alors, now I think you're starting to get it, right? This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non! 8, 9, 10. Très bien, on continue. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Oui, let's count up to 30, maybe. Let's continue. 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29 et 30. 30, 30, 30, 30, 3, 30. Should we keep going? 31, 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Next week, we will do 40. Good job! Bravo, bravo! Ok. Now, maybe we should review a little bit les couleurs et les formes. Les couleurs et les formes. So, let's gather together something to write. You can have a whiteboard, you can have some paper. And some crayons, and if you're using a whiteboard like me, you can have colors. Okay? So last week, remember, we learned how to say numbers and colors and shapes. So remember that we need to say the number, then we need to say the shape, and then we need the color. So yeah, number, shape, color. So you are going to listen, écouter, and you are going to draw what I'm saying. So, for example, if I say we have to draw un pentagone rose. Quelle couleur? Rose, rose. Un pentagone. Can you draw un pentagone? Un pentagone rose. 1, 2, 3, 4, 5. 5 côtés.
C'est le pentagone. Un pentagone rose. Ok, c'est très bien. On continue. On va faire trois cercles bleus. Quelle couleur est bleue? Bleu. C'est ça. Bleu. Trois cercles. What's a cercle? Trois cercles. Did you do trois cercles? Comme ça, un cercle, deux cercles, trois cercles. J'ai dessiné trois cercles bleus. Bravo. Ok. On continue. On va faire cinq rectangles noirs. Quelle couleur est noire? Noir. C'est ça. Ça, c'est noir. Noir. Cinq rectangles noirs. Alors, dessinez cinq rectangles noirs. C'est bon? Comme ça, cinq rectangles noirs. Un rectangle, deux, trois, quatre, cinq. Cinq rectangles noirs. Bravo, bravo. On continue. On va faire six carrés orange. Six carrés orange. Quelle couleur est orange? C'est ça. Orange comme orange. C'est facile. Cinq. Oh, sorry. Six. I said six. Six carrés. Orange. What's a carré? Six carrés orange. Voilà, six carrés orange. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six carrés orange. C'est bien, bravo, bravo. Ok, I think we should continue because you're doing great. On va faire maintenant sept ovales, ovales violets. Violet. Qu'est-ce que c'est? Violet. C'est ça, violet. Sept ovales violets. Tu as fait sept ovales violets. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ovales violets. Très bien. Très bien. I think we're ready to continue. On va faire maintenant 9. 9 triangles jaunes. Neuf triangles jaunes. Quelle couleur est jaune? C'est ça, jaune. Neuf triangles jaunes. C'est bon. Voilà. Ouh, it's kind of hot ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9. 9 triangles jaunes. Alright. Good job. Should we do a last one? Un dernier. On va faire. Ok, I know. On va faire 12. 12. Oh, qu'est-ce que c'est 12? 12. 12 cœurs. Cœur vert. 12 cœurs. Cœur vert. Qu'est-ce que c'est vert? Vert. C'est ça. Vert. 12. Oh, c'est beaucoup. C'est un grand nombre. So, let's get going. 12. Tu as fait 12 cœurs verts. Comme ça. Oh, beaucoup de cœurs. Des cœurs partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cœurs verts. Ah, oui, très bien. That was a lot of cœurs. Beaucoup de cœurs. Alright, good job. Okay, I think it is time for us to learn something new. Quelque chose de nouveau. On va apprendre. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est les animaux domestiques. Les animaux domestiques. These are all of the domestic animals. We also call them the pets. Les animaux domestiques. Maybe you have some pets at home. I know I do, and I will tell you what I have later. So let's start. Ça, c'est le cochon d'Inde. Can you say it? Le cochon d'Inde. Le cochon d'Inde. Très bien. Ouh. L'escargot. 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 Le lézard. Le lézard. Le lézard vert. Le lézard. Le hamster. Le hamster. Kind of sounds like hamster, right? Le hamster. Le hamster. La grenouille. La grenouille. Très bien. La grenouille. It's kind of hard to say. La grenouille. La grenouille. Oh, do you have this pet at home? I hope not. Le dinosaure. Le dinosaure. Dinosaure. Le dinosaure aussi est vert. Le papillon. Le papillon. Oh, le papillon est beau. Il est vert et bleu. Le papillon. Oh, trop mignon. Le furet. Le furet. Le furet. Furet sounds like ferret. And it is a ferret. C'est le furet. Le furet. Oh, so cute. Le furet. Le poisson. Le poisson. Le poisson. Poisson. Orange. Le lapin. Le lapin. Le lapin. La tortue. La tortue. La tortue est très lente. La tortue. Ouf, ouf. Le chien. Le chien. Oh, il est mignon.
Le chien. Le chien. Maybe you have un chien. Je ne sais pas. Le chat. Attention. Chien. Chat. Le chat. Le chat est aussi trop mignon. Le petit chat. Le chat. And the last one we have is l'oiseau. L'oiseau. Et ça, c'est un oiseau bleu qui est très joli. L'oiseau. Ok, good job. So, I said I have some pets at home. J'ai des animaux domestiques. What do you think I have? Do I have un oiseau? Non, je n'ai pas d'oiseau. Pas d'oiseau. Est-ce que j'ai un chien? Non, pas de chien. Est-ce que j'ai un poisson? Non, je n'ai pas de poisson. Est-ce que j'ai un dinosaure? Oui, non, je n'ai pas de dinosaure. Je n'ai pas de dinosaure. Too bad. Do I have un lézard? Non, je n'ai pas de lézard. Est-ce que j'ai un chat? Un? Non, deux. J'ai deux chats. J'ai deux chats. And you? Do you have any pets? You can say j'ai un chat. Oh, j'ai un poisson. J'ai un lapin. I don't know. You have to tell me what you have. J'ai un chat. J'ai un chat. Moi, non. J'ai deux chats. Deux chats. Ok, and if you have, like I do, this big, big poster, oh, it's maybe too big for my screen, then maybe we can try to find all of the animals we just found. So, if you have one, you can use it and you can touch the animal that I'm calling. Otherwise, you can try maybe to touch here on the screen. Okay, so let's see. Where is toucher l'oiseau? Où est l'oiseau? L'oiseau est en bas. En bas. L'oiseau est ici. L'oiseau, il est là. L'oiseau. Où est le cochon d'Inde? Le cochon d'Inde, il est ici, ici le cochon d'Inde. Bonjour, bonjour, le cochon d'Inde. Où est l'escargot avec deux antennes sur la tête? L'escargot. Touchez l'escargot. Il est là, l'escargot. L'escargot. Où est le lézard? Le lézard, il est vert, il est à gauche, il est ici. Le lézard, le lézard. Où est le hamster? Attention, I didn't say hamster, I said hamster. Le hamster est en bas. Do you see le hamster? Il est là, bien sûr. Et don't confuse, these are kind of similar. Mais ça, c'est le cochon d'Inde. Ça, c'est le hamster. Le hamster. Ok. Où est la grenouille? La grenouille verte est en haut. Elle est ici, la grenouille. La grenouille. Ok. Où est le chien? Le chien, qui est assez populaire chez les animaux domestiques, il est en haut. En haut, en haut, en haut, en haut. Il est ici. Le petit chien. Le chien.
Le chien. What about le chat? Le chat est en bas et moi, j'ai deux chats. Le chat est ici. Le chat. Très mignon. Où est le poisson? Le poisson orange. Le poisson orange est ici. Le poisson. Où est le lapin? Avec ses grandes oreilles. Les grandes oreilles du lapin. Le lapin est en bas. En bas. Le lapin est ici. Ouais, le lapin. Le lapin. Très bien. Où est la tortue? La tortue est très lente. De so slow. La tortue est ici. La tortue. Oui, la tortue. Ok, encore trois. Où est le dinosaure? Le dinosaure. Le dinosaure est à droite. Il est là. Oh, j'ai peur, j'ai peur. Le dinosaure. Le dinosaure. Où est le papillon? Le papillon vert et bleu. Papillon est à côté du dinosaure. Il est là, bien sûr. Le papillon. Le papillon. Et the last one we have, le dernier, le furet. Où est le furet? Ici, le furet. En haut. En haut. Il est là, le furet. Le furet. Oui. Okay, that was really good. Good job. All right, and it's already the end of our lesson for today. So it is time to sing Au revoir. Let's do it. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, oui, très bien. I hope you enjoyed this video and you can like it, you can comment on it. And don't forget to also subscribe to our newsletter. Like every week you'll receive some great games and some great content on Sunday. So, bravo, bon travail et à la semaine prochaine. Au revoir.